Bonjour et bienvenue avec moi-même, Isha, sur la chaîne Circle, et on va continuer Outlast Weatherbrower. On s'était laissé là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ah mais il faut pas faire ça! Oh, c'est une sorte de bizutage, c'est quoi? Ok, ok, on va pas vous embêter plus longtemps, on va continuer nous. Hein. Alors, par où est-ce qu'on va? C'est pas par là, par là. Là il y a du gaz. Je suppose qu'il faut l'éviter au maximum. Ah mais putain! Coupez le gaz s'il vous plaît, je ne peux pas. Coupez le gaz. Ah bah justement, le gaz. Merveilleux. Il faut couper le gaz. Ok. Ah, un dossier. Elle était où? Un dossier. L'utilisation potentielle d'agents psychoactifs dans le cadre d'actions politiques est bien reconnue. Bien que les recherches sur le sujet soient plus superficielles, ce qu'on pourrait s'attendre, la branche chimie l'inclut comme objectif dans son programme à élaborer pour rendre ce type d'action possible. Des méthodes non chimiques pour accomplir des actions politiques sont aussi comprises dans le programme. Présenter l'extrait ci-dessus, la division, le service technique pour établir... Bref, que des trucs super intéressants. Mais rien sur le gaz. Continuons notre petit passage. Où en étais-je avant que ce chat m'interrompe, me fait flipper? Ah mais il y en a plein, hein. Il y a que ça, il y a que ça, il y a que des screamers à Torlarigo, j'ai dit Torlarigo. Chambre 237, ok. Faut qu'on aille à la chambre 237 j'imagine, ça paraît très logique. Mais j'ai pas vu de... Ah si, là il y a des lits. Des lits, ok. Tu peux passer par l'autre côté? Monsieur, je suis passé par là, moi. Bon, écoute. Alors, la chambre 237, 229. Bonjour. Ah, c'est ça, il y a des signaux. Donc, faut que je trouve la chambre 237 avec des petits boutons là. Ah, conduit. Même chose, là il y a un conduit. Hop là. Ouais, on va voir un petit peu ce qui se passe. L'autre côté c'était fermé, on va passer. Là, on a une chambre. Ouais, bah y a rien. Hein. Puis elle a été ouverte, à vrai dire. Youpi. Aucun intérêt. Et c'était quelle chambre? Bah 229, donc 225. 27. Putain, il est là. Il est là. Crimpe. Crimpe. Ok. Ok, c'était fermé. Bon, au moins, ça a le mérite de m'avoir sauvé des griffes du grand méchant, quoi. À faire ici. Putain, grappe, grappe. Bah je sais pas si c'est la chambre 237. On va dire que oui, j'imagine. Ah, putain. Il est en train de défoncer la porte. Il est en train de défoncer la porte. Il est en train de défoncer. Il y a un putain de passage. C'est bon. Oh,
Oh là là, mais pourquoi je joue à ce jeu-là? C'est fini? Change-moi la pile là. On voit où est-ce qu'on en est. On en est là. Ok. 247, 243, donc c'était bien ça, 237. Ouais, on va dire que oui, hein. C'est pour ça qu'il nous a... Bon, aucun intérêt, peut-être. Clairement, ça n'a pas du tout la même vue, ça s'est fermé. Chalance! J'ai bien vu une ombre, hein. On va fermer la porte. J'ai vu une ombre. Hein. J'ai vu une ombre. Un dossier. Un dossier. Ah, Murkoff, projet World Rider. Une petite lecture. Franck Antonio Manera. Activité minimale du moteur morphogénique. Thérapie hormonale extrême. Niveau 5 et 6. Dans ses rêves reviennent systématiquement des images d'isolement, de trahison. Pas d'état lucide. Forte accumulation bronchique. Type des patients avec un passé de consommateur de tabac et de marijuana. Mouvement oculaire rapide, exceptionnellement bas. Note de l'entrevue. Au moment de l'entrevue, le poids Franck était tombé à 155 livres pour un poids de 228 livres à son admission. Ah ouais, il est vachement maigri quand même. Il a été léthargique et globalement sans réaction, montrant seulement l'intérêt pour le scénario 9 du schéma d'hypnothérapie Wernicke qui consiste à boire du sang, même la poitrine d'un homme endormi. Continue à refuser les bains et les soins d'un coiffeur quand il... Ah, coiffeur. Ah, le... Je te vu, là, c'est... Monsieur Manera? Ouais. Bah, la drogue, c'est mal, hein. Si je ne peux pas participer, je ne peux pas partager. La nutrition forcée sera recommandée dans le cas de Monsieur Manera. Si nous ne trouvons pas quelque chose qui accepterait de manger. Monsieur Manera? Monsieur Manera? C'est jouable. C'est jouable effectivement que tu meurs à cause de moi. Et on pouvait pas passer par là. Non, j'ai dit que non. Non, bien sûr que non. Allons là, il y a du gaz. Monsieur Manera? Vous savez, monsieur Manera, on peut peut-être s'entendre. Manera? Monsieur Manera? Vous êtes là? Putain, oui, il est là. Il est là! Il est là! Il est là! Non mais faut pas faire ça monsieur Manera. Je sais pas où on va monsieur Manera mais... Là. Bah non, je vais pas venir à toi. Ah. Tiens. Gaz room. Alors... Je sais plus ce que je dois faire après ça, moi. J'ai coupé le gaz. C'est bon, le gaz est coupé. Je suppose que tu vas attendre de l'autre côté, non? Tu m'en iras? Donc c'est donc toi monsieur Manera? Va falloir penser à passer à la douche hein. Ouais. Au revoir. Peut-être pas trop le charrier quand même, parce qu'il est
capable de me retrouver en fait ce con. Mais pas une... pas un passage. Non. Et là. Non plus. Et ça c'est quoi là-bas? Ah, je suppose que c'est par là qu'il fallait passer. Ah mais j'en viens de là. Ah donc c'est ça. C'est bien ça, bien ça. Bien là. Là, là, ça nous mène où là? Au même endroit. Ok, donc c'est bien ça. Je suis coincé. Non, c'est bon.